Et salut tout le monde, c'est Link. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e, pas du tout, on va pas sauter des épisodes, on est le 12e épisode. Voilà, calme-toi, redescends un petit peu. Tout va bien. J'espère du coup que vous allez bien pour ma part. Ça va. La dernière fois nous avions battu Adira. D'ailleurs, je voulais regarder est-ce que. Bah non, d'accord, c'est un. C'est bugué, ça m'affiche toujours 2 sur 3. Bon, c'est pas très grave. Ah, on a pas mal de points, on peut s'acheter des choses sympathiques. Tout va bien, c'est bien l'épisode, vraiment. Ouais, c'est ça, mais après, faut y penser, quoi. Mais L2 et R. Voilà, oh, mais attendez. Oh. Oh, faut maintenir trop de touches là, c'est chiant. Waouh, ah, c'est. Ok, c'est mignon. On va retenter, vu qu'on est là. On va retenter le gros combat ici. Surtout qu'on a eu des trucs depuis. On a débloqué les charmes, hein, déjà. Ça, c'est sympathique quand même de débloquer des trucs qui peuvent nous aider. Hein, qui devrait être dans le jeu de base. J'ai pas compris pourquoi je. J'ai pas compris. Passe trop de trucs. Voilà, mais par contre ça a trop du mal là, il y a trop d'ennemis, le jeu il galère. Hein. Impossible. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Je peux pas tuer autant d'ennemis rapidement, quoi. Je give up ce truc, hein. La bombe, c'est pas mal, en vrai. Par contre, c'est un enchaînement de touches, c'est trop relou. Ah tiens, mais j'étais jamais venu ici. Truc avec cette roue là aussi. Bien, mais de bien jouer ça. Ah d'accord, c'est tout, d'accord. Je pensais que ça allait faire tourner la roue. Ça. Et voilà. Merveilleux.
Mignon. Ah, c'est un nouveau chapeau aussi. Ok. Je pense que c'est un nouveau chapeau. Et voilà, grenouille en chapeau. J'ai envie de dire un crapaud plutôt qu'un chapeau. Ok, pourquoi j'arrive pas à ouvrir le coffre? C'est buggy, j'arrive pas à ouvrir le coffre. Attendez, on va essayer d'aller ouvrir un autre truc avant. Ah, je suis full buggé en fait. On va sauvegarder et recharger. Ouais. Ok. C'est le genre de bug qui me fait un peu peur parce que ça pourrait être le genre de bug où une recharge à la partie ne fonctionnerait pas. Okay. Donc ça fait un peu peur. Mais ça va, ça a marché. Ah, un petit pot ici. Et non pas un petit pot, je crois que j'ai déjà fait cette vanne. Je me déteste. Ah, ici j'avais pas trop visité pour la simple et unique raison que ça laguait de ouf. Voilà, je me souviens. Justement, ici ça se casse depuis l'autre côté. Oh, mais c'est grand de ouf là. Mais moi j'ai pas demandé tout ça. Il y a toute une zone là en bas. Un défi de coffre. Allez. Deux ennemis à vaincre. Oh non, 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 non. S'est soigné. Dommage. On a failli en avoir un au moins. Bon. Est-ce qu'en vrai, je m'en prends plus au mage en premier ou à l'autre? Je pense que le mage, si on s'y prend bien et vite, on peut le tuer vite. Oh purée, sérieusement, vous. Oh, foutez là. Par contre, ouais, j'ai l'impression de louper des trucs ici. Écoutez, on a déjà eu un rot et deux trois petits coffres là. Je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir. Ouais. Ouais, d'accord, ça ramène ici. Ouais, voilà, vous avez vu, dès que je commence à descendre, le jeu il rame de ouf. Ça fait chier. Ça fait une zone où je peux pas aller jouer quoi. Ici. Je suis venu ici tout à l'heure. Oui, je crois que c'est la première chose que j'ai fait. Ok, bon. Oui, mais bien, je suis bien allé dessus. J'arrive pas à toucher, je me déteste.
Ouais, la chaîne est trop loin. Oh là là, c'était n'importe quoi. Bon, on va fouiller le temps de regagner notre vie. Ok, on a un TP ici. Après, j'étais pas venu par là, mais en vrai, bah, y a pas grand chose à voir. Hein. Ah, purée, c'est vrai qu'il y a le truc des statues là, c'est chiant. Tout fait. Oh, ça rame de ouf. Vraiment, cette zone, il a du mal. Hein. Allez. Mais prends-moi cette graine, merci. Ah non, mais c'est un truc qui se fait de l'autre côté, ça. On va retourner, ok, là-bas. En fait, dès que je mets la caméra vers là-bas, ça... Ça galère, en fait. Ah, il y a d'autres trucs, ici. Il y a d'autres champs. Bon, je sais que je veux surtout rusher à la fin du jeu, mais je ne peux pas résister à l'appel du secondaire en fait. Non, puis surtout cette zone on l'a vraiment rush parce que bah, ça laguait trop et que qu'il y avait un enchaînement de trucs qui me gonflait. Que ça m'embête un peu de l'avoir laissé comme ça. J'aimerais bien m'en faire un peu. Faut quand même respecter le travail des devs. Pour moi, c'est important d'en avoir quelque chose à foutre du secondaire. Vraiment, c'est... En avoir rien à foutre, c'est un manque de respect envers les devs et le jeu. Puis même envers les joueurs en général, je trouve. J'ai déjà vu des let's play passer sur plein de jeux, c'était horrible. Et merde, il s'est soigné. Ah, finalement, s'en prendre au gros. Enfin, celui avec l'épée, c'est peut-être mieux que le mage. Au moins, ça fera un ennemi en moins, quoi. On va faire ça plutôt. Il apparaît où en premier? Parce que je le vois pas au début. Il apparaît pas en fait au début.
Non, 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 sors pas de la zone! Putain, je sentais que j'étais en train de sortir de la zone. Ah, oh, dommage, on avait presque tué le gros. J'ai chaud. Ok. Ouais, c'est chelou ça comme endroit. Hein. Quand je le voyais au loin, déjà je me disais il y a quelque chose ici. Je pense que c'est pas du tout pour tout de suite. Ah, la musique elle est stressante en plus. Il y a moins que ce soit un truc genre de fin de jeu. Enfin, je veux dire, une fois que t'as fait peut-être tous les courriers ou un truc comme ça. C'est pas impossible. Mais du coup j'ai besoin de vérifier, je peux regagner des trucs là? Ah ouais. Chelou, mais on prend. Ah j'ai du courrier là hein, dans le coin à mettre. Il y en a un vers l'entrée du village. On a combien de temps là déjà? On a presque à 20 minutes. Ce serait bien de peut-être aller faire l'histoire. Enfin, au moins un peu. Aïe. Oh merde, il y a des ennemis encore plus loin. Ils vont mettre un gros pour finir, voilà. Oh merde. Aïe.
Oh non, 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 non. Ok. Pas de stress. Zéro stress à avoir. Ok, alors... Ah, faudrait que je m'interroge en fait s'il n'y a pas une fin secrète d'ailleurs, je suis en train de penser. Attendez, j'aimerais aller en profiter pour faire un autre truc. Est-ce que je vais l'atteindre à temps? Oui, ça devrait le faire. Voilà. Ouais, ça se trouve, il y a une fin secrète si on a tous les rots, que je serais pas étonné. Mais ça c'est si on est en haut. Un chapeau. Oh, c'est un fruit pas au pou. Non, c'est des étoiles. Pardon. Ok. Je me suis un peu excité, je suis désolé. J'ai un courrier, mais c'est... Ah non, ça, je peux aller le faire. Ouais, mais non. Voilà, un moment, merde. J'aimerais bien avancer dans le jeu aussi. J'ai toujours pas de gagner de tenue. Hein. Ça se trouve, c'est des DLC payants que je serais pas étonné. Allez, des petits chapeaux de cow-boy. Des petites étoiles, allez, c'est mignon, des petites grenouilles. Épuisé, donc il y a quand même une limite en fait pour chaque chapeau. Bah attendez, on va essayer de voir c'est quoi la limite. Ah, peut-être pas de limite pour cela en fait. Si, 20, ok. Ah ouais, mais du coup. Ah oui, parce que c'est pas beau cela. Moi j'ai acheté pour voir la limite, mais ok. D'accord, bon.
On le saura maintenant. Ce truc, ça me trigger depuis tellement longtemps, mais je peux rien en faire. On est d'accord, hein. Ouais, ça fait rien. C'est juste là. Ça me trigger, de ouf. Ah, et ça me montrait le truc des épreuves, c'est ça? Épreuve tâche sec, nanana. Enfanter de nouveaux boss, tenter des défis passionnants. Ah oui, c'était passionnant. En maîtrisant les nouvelles épreuves débloquées au fur et à mesure de son voyage, Kenna peut gagner tenue. Ah, d'accord. Hana and Adira shared something special. It lifts my heart to know they are together again. Adira knew she was powerless to stop the poison. But she never gave up hope that Hana would find her way home. Zaju, I saw something in Adira's memories. Some kind of creature. It seemed to be connected to the troubles in the village. Was there no way to drive it out? You are not the first to ask me these questions. Our leader, Toshi, struggled to accept the will of nature. Toshi loved this place, and it broke him to see it wither away. The leader of your village? I've seen this spirit on my journey. He's at the heart of the corruption that blocks the path to the mountain shrine. He will not move on quietly. Make sure you are prepared before confronting this final spirit. Look for Toshi in the village leader hall, along the path to the mountain shrine. Masque de Toshi. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais on voit leur masque hein, aux autres. Là, il y a le masque de Taro. Ah, on peut interagir. D'accord, on peut prier pour eux en quelque sorte, j'ai l'impression. Donc voilà, comme je l'avais dit, la montagne, le dernier barrière de l'esprit, portail, quoi? Si c'est mettre Toshi pour eux à barrière des esprits. Ok, oui, mais c'est quoi le truc des portails machin? Attendez. Faut que j'aille voir pourquoi il m'affiche ça. Normalement, il m'affiche ça quand c'est un objectif de quête. The fuck? Moi, je sais pas. Je veux juste aller avant de faire la montagne parce que je sens que ça va être court, je sais pas pourquoi. Venir là. Bah, je crois que c'est le dernier courrier que je peux faire, donc on va faire. D'ailleurs, on n'avait pas un pont, je sais pas quoi, qu'on peut... Non, pas du tout. On pouvait faire descendre dans les parages, pas du tout. Je m'en sors toujours aussi bien avec ça. J'ai failli sauter. Nope.
Aïe. C'est un masque de sanglier, masque de Zajuro. J'ai cru voir un truc apparaître sous en bas à droite, j'ai rêvé. D'accord, on a un masque d'un mec qu'on ne connaît pas. Oula, mais où est-ce qu'on s'aventure là? Oula. Ouais. Bon bah ok. Ah ouais, mais c'est trop chiant en fait. Merveilleux. Ah oh mais c'est du délire là. Mettez-moi encore plus d'amis, je vous dirai rien quoi.
Ouais, non, mais c'est what the fuck? Ça spawn à l'infini, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais ils ont pété un câble, hein. Oh, bien, je suis bien allé dessus. Non mais niveau de batterie faible, c'est vraiment pas le moment quand. En fait ouais, je devrais juste m'y prendre comme ça. C'est pète couille. Il apparaît même plus là. Merde, c'est pas passé. C'est bon. Non, je suis mort. Non, ok. Oh my god. Bon là par contre, on vient de faire un épisode complet, juste exploration. Je suis un peu déçu. Ouais. Encore une fois, je répète, hein, j'ai rien contre le 100% du jeu, c'est juste que vu qu'il y a Plague Tale qui arrive, j'ai pas envie d'avoir plusieurs esprits en même temps. Et là, je suis en train de foutre dans la merde. Ok, voilà. C'est tout ouvertement dit. Ah d'accord, on sort par là, ouais. J'aimerais bien trouver comment je sors de ce bordel. Est-ce que je peux... Je peux pas cheat, je suis obligé d'aller jusqu'au bout, merveilleux. Ok. Bon bah du coup on va se là, hein. Vu qu'on vient de faire un épisode complet là. Ça fait un peu yesh. On n'a rien fait en histoire principale à part que voilà, maintenant on sait que le dernier esprit à libérer ça va être Toshi. Après, si ça se trouve, là on y va, c'est la fin. Je pense pas quand même. À mon avis, ça peut faire un épisode complet, j'espère.
Et puis on fera du secondaire en complément, c'est pas grave. Bref, j'espère du coup que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde, bye bye!